Bonjour tout le monde Aujourd'hui, nous lisons Le loup qui avait peur de son ombre de Oriane l'Allemand et Léonore Tuillier. Il y a plein d'autres histoires de loups sur la chaîne. Après ça, vous pourrez en écouter plein d'autres. Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout. Tout petit déjà, le moindre petit bruit l'effrayait. Et quand les autres se mettaient à hurler, il se cachait, terrorisé. Pour un loup, c'était très embêtant quand même. Il avait peur du noir. Dès que la nuit tombait, il fallait, il filait se coucher. Une fois à l'abri des draps, il fallait garder une lumière allumée juste au cas où un monstre se serait caché sous son lit. Prêt à ne faire qu'une bouchée de lui. Pauvre loup, même son ombre l'effrayait. Oh Monstre gluant. Serpent venimeux, chauve-souris assoiffés de sang, il les imaginait tous tapis là-bas dans la forêt. Oh là là Alors, pas question d'aller cueillir des champignons. S'ils n'étaient pas accompagnés, ah, ça non. Quant à la chasse avec ses frères, ce n'était même pas la peine d'y penser. Même en meute, l'idée de se retrouver nez à nez avec une bête poilue le faisait détaler. Et de toute façon, il n'aimait pas la viande crue, voilà. De mémoire de loup, cela ne s'était jamais vu. Mon loup, cela ne peut plus durer, lui dit un jour sa maman. Tu dois voir le monde et affronter tes peurs. Ici, tu ne trouveras pas ton bonheur. J'ai confiance en toi, ajouta son papa. Tu y arriveras. C'est ainsi que loup se retrouva un matin. La peur au ventre, tout seul sur le chemin. Mais loup avait à peine fait quelques pas qu'il entendit des voix, deux silhouettes inquiétantes approchaient. Complètement affolé, il bondit dans les fourrés. Il atterrit dans les orties. Oh non, j'ai mis le loup. Ce sont sûrement des brigands. Ils vont me trancher le cou. Apparurent alors près de lui un ours et un renard à l'air rigolard. Hé, hey, l'ami, pour te cacher, tu n'es pas très doué, l'interpella l'ours. Les orties, c'est piquant, mais pas très couvrant. Allez, viens, viens par là, montre-toi. Tout penaud, loup sortit de sa cachette. Il ne le regretta pas. Il passa un excellent moment et il se régala. Loup se remit en route, la joie au cœur. Hélas, cela ne dura pas, car le soir tombait déjà. Oh là là, cela lamenta loup. Une nuit tout seul dans la forêt, je n'y survivrai pas. pleura <laughs> dans une autre voix. Le loup est là. Je suis perdu. Loup regarda autour de lui et découvrit un petit lapin prisonnier d'un piège. Hé hey, Je ne suis pas un méchant loup, le rassura-t-il. Je vais te sortir de là. Soudain, un rayon de lumière les éblouit tous les deux. Horreur Devant eux se tenait un chasseur. Découvrant loup, il poussa un cri et laissa tomber son fusil. Le cœur battant à tout rompre, loup s'avança, délivra le petit lapin et s'enfuit dans la nuit. Loup courut, courut pendant des kilomètres. Épuisé, il dénicha un vieux terrier et s'y installa avec le lapro tout secoué. Pour le réconforter, loup passa la soirée à lui raconter des histoires de cap et d'épée. C'étaient ses préférés. Quand le petit s'endormit, blotti tout contre lui, loup se dit que la nuit, c'était doux aussi. Le lendemain, loup aida le petit lapin à retrouver les siens. Madame Lapin, lui donna assez de carottes, de mûres et de noix pour tenir toute la journée. Pour la première fois, il se sentit l'âme d'un aventurier. Loup reprit sa route en sifflotant quand il entendit de drôles de craquements. Qu que faire paniqua le loup. Cela m'a tout l'air d'un troll en colère. Ah hurla loup terrifié par le monstre qui jaillit des buissons devant lui. Aaah! Répondit la créature terrorisée. Ce n'était pas un troll, c'était un énorme loup. Quelle peur tu m'as faite. Je m'appelle Gros Louis. Et toi Loup, répondit Loup d'une petite voix. Je vois bien que tu es un loup, rigola Gros Louis. Je te demande ton nom. Loup tout court, bougonna Loup. Enchanté, loup tout court, fit Gros Louis, amusé. Viens avec moi, je vais te présenter à mes amis. Dans une clairière tout près de là, une joyeuse bande pique-niquait. Hé les amis, fit Gros Louis, on a de la visite. Loup, je te présente Valentin, le plus malin. Ici, c'est Joshua, un peu timide et ça se voit. Et voici Alfred, notre champion. Et puis il y a moi, Gros Louis, le joyeux drill de la compagnie. Les loups éclatèrent de rire tandis que Gros Louis faisait une révérence. Loup les regarda un à un et comprit qu'il était arrivé au bout du chemin. Confortablement installé, Loup raconta aux autres loups son histoire. Ses peurs. Depuis qu'il est tout petit, ses frères qui se moquaient de lui et comment il est arrivé ici. Quand il eut terminé, Valentin s'écria. Eh bien les copains, on dirait qu'il y a un nouvel ami dans la bande, et quelque chose me dit qu'on ne va pas s'ennuyer avec lui. C'est ainsi, et pas autrement, que Loup arriva dans la forêt lointaine. De ce jour, il se sentit bien, et il n'eut plus peur de rien. Enfin, presque... Ah, oh, c'était une très très belle histoire, c'était une nouvelle histoire de loup. Aujourd'hui, loup avait peur de son ombre. Il y a plein d'autres histoires sur la chaîne de loup. N'hésitez pas à en écouter une autre. Merci, prenez soin de vous...